Je ne sais pas pourquoi il y a des vieillards. Maintenant, ils sont devant lui. C'est incroyable de voir quelqu'un qui est jeune, quelqu'un qui est comme toi, tu n'arrives pas à louer le Seigneur. Oh, devant le trône de Dieu, Dieu il a mis 24 vieillards. Ils sont en train de célébrer son nom. Ils sont en train de l'adorer. C'est que si les vieillards l'adorent, toi qui es jeune, tu vas les lever. Amen. Parce qu'il a mis 24 vieillards. C'est vrai que la vieillesse, c'est la faiblesse. Oh, c'est bon, le monde. Donnez-moi amen l'église. Je veux que tu donnes amen, tu lèves la main comme ça. J'ai dit amen, tu fais amen. C'est-à-dire que je lâche la victoire. Amen. Je suis dans la victoire. Amen. Je marche dans la victoire. Les chrétiens qui aiment le ciel peuvent comprendre les choses que je dis. Je vais vous dire, vous savez pourquoi il a dit, devant son trône, il y a 24 vieillards. C'est-à-dire que Dieu n'aime pas les gens qui l'entourent, qui n'aient pas la sagesse. 24 vieillards, ça veut dire que ça montre la sagesse. Ce sont des vieillards. Vous savez, les vieillards, ils ne parlent pas beaucoup. Mais quand il commence à parler, il dit des choses qu'il savent pourquoi il le dit. Mais un jeune peut parler comme il le fait, il est là dans la folie de la jeunesse. Dieu n'a pas besoin de jeunes. Dieu a besoin de vieillards. C'est compliqué. Dieu a besoin de vieillards. Un vieillard, c'est quelqu'un qui connaît, il a compris l'histoire de la vie. Un vieillard, c'est quelqu'un, lorsqu'il parle, il parle pas seulement comme ça. Il sait ce qu'il est en train de parler. Mais les jeunes, c'est qui? Il dit que Jésus, Dieu est le tout puissant, mais il ne dit pas parce qu'il est jeune. Oh, mais je ne sais pas si il m'a compris. C'est-à-dire qu'un jeune, c'est quelqu'un comme un chrétien qui est là derrière seulement des slogans. Tu es le tout puissant, je t'aime beaucoup, tu es admirable, tu es le conseiller, mais ce n'est pas la bouche. Ça ne vient pas de la sagesse. Mais un vieillard, quand il dit que tu es sage, c'est qu'il t'a beaucoup observé. Il a eu le temps de te comprendre. Il dit des choses qui sont nettes et exactes. Et c'est pour cela l'église. On doit être dans la connaissance et dans la sagesse de Dieu. Jésus, je n'aime que toi. Pour n'être qu'à toi. Aujourd'hui, à jamais. Nul autre que toi, aujourd'hui, à jamais. Aujourd'hui, à jamais, étant ta droite, relève-moi. Aujourd'hui, à jamais, étant ta droite, relève-moi. Aujourd'hui, à jamais, oh, étant ta droite, relève-moi. Aujourd'hui, à jamais, je ne veux que toi. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là au milieu de nous, alléluia. Yeah.
dans nos ténèbres, il y a un rayon de lumière dans nos apôtres. Dans les ténèbres, célèbres, c'est toi qui es arrivé. C'est pour cela que je viens dire que tu es magique. Gracias.